Alaykoum Mazur Filawen, bonjour. Tout se passe comme dans une sorte de cauchemar. Un cauchemar éveillé, où des scènes décousues défilent et s'entrechoquent, pendant que notre vie chaote et nous secoue, comme si nous la traversions à bord d'un wagon à bestiaux. Nous savons bien que ce qui défile sous notre regard éberlué n'est pas une illusion, l'effet de notre imagination échevelée, ni un film d'angoisse sorti du délire d'un réalisateur qui a sauté les plombs. Nous n'avons aucun doute que notre pays est bel et bien devenu une somme de toutes les absurdités, de toutes les extravagances, de tous les périls. Qu'à sa tête se bousculent les plus vils, les plus brutaux, mais aussi les nervis les plus grotesques de la faune qui hante les arcanes du régime. Et nous sommes là, à divaguer sur des chemins de crête qui surplombent des ravins vertigineux. Le film muet qui est devenu notre vie est zébré de fioritures luminescentes, traversé parfois de voix gluantes qui tentent de se dépêtrer de leur gangue épaisse. Nous donnons à penser que nous ne sommes plus qu'une multitude hébétée, dispersée dans ses lubies, qui ne sait plus ni qui elle est, ni où elle va, ni même ce qu'elle espère. Tous, y compris les nôtres, pensent que nous ne sommes plus que du bétail disparate qui se bouscule de lui-même vers l'abattoir. Pourtant, si toutes ces gens, pressés d'asséner leur jugement à l'emporte-pièce, pouvaient sortir de leur propre bulle à penser, ils verraient que sous les cendres d'un foyer éteint, derrière cette apathie et cette désinvolture ambiante, massive, le cœur d'une nation continue de palpiter. Du sein de la plus haute nuit bruissent des infinités de murmures. Et là-haut, de jour comme de nuit, pétrifié de toute sa stature décharnée sur une cime enneigée, un vieux paysan est là, la main en visière sur son front plissé par une intense concentration. Il scrute l'horizon. Il attend demain. Il attend la crue qui viendra revivifier les vallées, emporter les souches mortes et charrier l'ordure qui jonche les terres autrefois fertiles, qui souillent la vue depuis que la sécheresse s'est abattu sur les cœurs. Le vieux paysan est là, immobile sous le vent qui fait claquer son burnous. Au loin, le ciel bas et noir s'allume d'acier et d'éclair, soudain et nerveux, comme de longues déchirures blêmes. La colère tonne au loin, elle annonce les orages qui roulent et avancent. Le paysan, figé sur le roc, qui plisse les yeux pour voir au loin, est une vieille mémoire. Il est la mémoire. Les foules disparates qui s'égayent sur la vallée, au milieu de l'immonde festin, peuvent donner à penser qu'elles n'ont rien de commun avec le vieux paysan qui vibre d'attente. Parce qu'elles n'ont pas sa rigide noblesse. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ils sont faits de la même vieille souche. Le vieux paysan n'a pas été corrompu par les miasmes des eaux dormantes. Il n'a pas été corrompu parce qu'il n'est pas descendu de la montagne qui domine la vallée. Parce que l'épervier qui plane est loin de la vermine qui grouille. Le moment venu, quand les eaux pures dévaleront la montagne, qu'elles viendront enfler le fleuve détourné et que la crue se répandra sur la vallée en fléau mousseux, alors les foules disparates sauront que c'est aux côtés de la vieille mémoire,
drapé dans son vieux burnous, qui claque au vent. Quelle leur place, la seule qui puisse les préserver de l'abjection du mensonge érigé en dogme. Aujourd'hui, liberté, un article de Arab Chieh. Une trentaine de personnes se sont réunies hier à Alger. La CNLTD trace son programme d'action. Le temps d'Algérie, un article non signé. Réunion de la CNLTD pour l'installation de l'instance de concertation et de suivi. TSA, un article de Sonia Lies. Le FFS prend ses distances avec la CNLTD. Avec nous, pour parler de la conférence de la CNLTD, Mourad Ouchichi, universitaire à Bjaïa, et Benajila Soufiane, ingénieur agronome à la Rouat. Soufiane Benajila, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci. Oui. Alors, qu'est-ce que cette conférence de la CNLTD peut signifier pour vous? Une vraie dynamique, de la vraie opposition au régime, ou ne sont-ce là que vaines gesticulations? Pratiquement, on a envie d'en rigoler. Voilà. Parce que jusqu'à nouvel ordre, on va dire que l'opposition, elle a joué le jeu du régime, tout court. Hein. Une opposition qui n'a pas les moyens de s'opposer, elle n'est pas une opposition. Il y a un problème de téléphone, il me semble. En attendant que nous puissions régler le problème de téléphone, nous allons accueillir Mourad Ouchichi. Mourad Ouchichi, merci d'être avec nous. Allô, Mourad? Oui. Bonjour Mourad, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, Mourad Ouchichi, le fait de réunir d'anciens chefs du gouvernement, mais aussi des partis politiques dont presque personne n'a entendu parler, peut-il augurer d'un vrai changement dans ces attitudes politiques qui ne parviennent pas à intéresser les gens? D'après vous, de façon directe, en utilisant des mots vrais, est-ce que c'est de la vraie opposition? Est-ce que ça réussit à intéresser les gens? Ou alors, sinon, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faudra absolument souligner que l'initiative est louable. Hein. Cela fait très très longtemps. On sent un petit changement, une petite amélioration dans la culture politique de ce qu'on appelle la classe politique algérienne. Parce que nous avions souffert depuis des années, des divisions inutiles, des luttes intestines pour un leadership donc le fait déjà de réussir à convaincre, à discuter avec tous les différents courants politiques, c'est un acte de pédagogie important. Quoique, même si la population, j'ai compris le sujet, pourquoi il n'y a pas cet engouement populaire suite, c'est tout simplement une sorte de réserve. Mourad, moi, je crois que ce n'est pas seulement une question d'engouement. Il y a un total désintérêt des gens pour la chose politique. Ça veut dire que les gens, les Algériens aujourd'hui, ils mettent tout le monde dans le même paquet. Les corrompus, les gens qui sont motivés, les gens sincères, tous ceux qui font de la politique pour le commun des mortels, du moins ce qui me semble moi personnellement, sont mis dans le même paquet et les gens courent après autre chose. Ils ne sont pas intéressés par la politique, ils ne croient plus en la politique. Il y a un résultat, en fait, là. Je ne dis pas que la dépolitisation de la société, parce que la société n'est pas si dépolitisée que cela. Il y a une sorte de méfiance, voilà, de méfiance, vu toutes les revirements qui ont eu lieu, vu la traîtrise qui a eu lieu, vu la mauvaise gestion des affaires publiques que les gens ont vu par les élus, vu. Donc c'est un contexte général qui fait qu'il y a une
sorte d'indifférence à la chose politique, mais je dis que c'est un résultat. Si on dit que nous ne sommes pas, c'est pas du tout une fatalité. Moi, je pense que la société est dans une sorte d'attentisme. C'est un comportement politique aussi. Un comportement politique aussi. Mais le passé est lourd pour cette. Restez avec nous, Mourad. Restez avec nous. Sofiane Benagila, nous avions tout à l'heure dû interrompre votre discussion parce qu'il y a un problème de téléphone. Vous sembliez donc sceptique pour ce qui est de cette initiative. Et quand je dis sceptique, je reste modéré. Oui, non, ben, de toute façon, l'opposition, visiblement, je vous ai dit, elle a l'air d'avoir joué le jeu du pouvoir jusqu'à présent. Elle n'a pas les moyens de s'opposer, elle n'a pas d'assises populaires. Et on a vu les élus Mada, etc., ils sont comportés exactement comme ceux du pouvoir en précédent, donc c'est pour ça que les gens les assimilent à des gens du pouvoir. Et donc, ils ne font que parler, mais il n'y a rien sur le terrain. Ils ne font aucune lecture des événements politiques ou économiques. Il n'y a pas de quand il y a des experts ou des professionnels qui alertent sur tel ou tel domaine qui n'est jamais relayé par les partis politiques. On a vu une intervention quand Bekhadem a été évincé pour nous dire que le pouvoir est chez la voyoucratie. Et bon, ça, c'est pas une nouveauté. Et c'est quand après, si on vient de s'en rendre compte, bon, c'est pas une lecture politique, ça, c'est rien, c'est un non-événement. Mais la réalité, à savoir qu'on a des chutes dans la production pétrolière, on a une chute dans les recettes des hydrocarbures, on a une demande croissante de chaque centime qu'on donne à un Algérien actuellement, tout ce qu'il fait du réveil jusqu'au soir, toutes les dépenses vont à l'importation. Et du fait qu'il n'y ait pas de tissu industriel, il n'y a pas de production nationale, et un type comme le chef de gouvernement qui dit en plein assemblée, on a multiplié par deux notre exportation, mais ça chiffre en millions de dollars, alors que ça représente même pas 0,27% de notre importation. C'est complètement ridicule, quoi. Et ce n'est pas relayé par les partis politiques. Quand on voit la mascarade, la dernière fois, le président qui reçoit Zanoussi, des images truquées au mépris des gens comme ça, il y a 80% des gens ne se sont pas rendus compte. La tricherie. Oui, mais Sofiane, il n'y a pas de relais politique par rapport à ça. Sofiane Benagila, vous avez tout à fait raison, je suis totalement d'accord avec vous, en effet. Mais Mourad Ouchichi vient nous dire. Monsieur, quand on voit l'histoire de M. Medlouk, quand on voit l'histoire de Youssef Oumdagda, quand on voit ça, et les gens, il faut qu'ils réalisent que ça peut arriver à n'importe qui, ça. Oui. On est à l'abri. Nul n'est à l'abri de cette injustice. Oui, mais alors Mourad Ouchichi, à un instant, nous disait que oui, c'est vrai qu'il s'est rendu à nos arguments, mais il a dit, mais il faut bien commencer par quelque chose, et il faut saluer cette initiative, en ce sens que c'est un commencement, que même si c'est un balbutiement... Je vais vous dire une chose. Oui. Les soi-disant partis politiques d'opposition actuellement, ils réagissent comme s'ils étaient dans une situation normale, dans un pays normal, à économie normale, qui fonctionnait, disons, normalement. Et ils ne réalisent pas l'urgence. L'urgence, c'est qu'actuellement, l'Algérie ne nourrit pas l'Algérie de 1962. On est au bord de la famine. Oui. C'est ça qu'il faut réaliser. Oui. Si notre consommation, il y a 1,5 million d'habitations qui, soi-disant, vont être construites, aucune norme d'économie d'énergie, et comment on fabrique des centrales électriques, on n'aura même pas de quoi les approvisionner en gaz, on n'arrive pas à remplir notre pipe qui va en Italie. On va être exclu comme étant fournisseur de l'UE parce que notre autoconsommation grimpe à 12,5%. Et elle est en train de gréver à bloc notre production. La production, on n'arrive même pas à la maintenir. Restez avec nous. Sofiane Benagila, restez avec nous. Mourad Ouchichi. Sofiane Benagila vient de nous dire, moi personnellement,
totalement d'accord avec lui, que l'opposition, en fait, son attitude, même si elle a du mérite de se réunir, mais son attitude, elle se comporte comme si, en effet, elle était dans un pays normal, dans une situation normale, et pas dans une situation de crise, voire de péril, voire de disparition imminente de la nation. Et beaucoup de gens savent que je n'exagère pas du tout. C'est vrai, qu'en pensez-vous vous-même, Mourad, que cette opposition, l'attitude de cette opposition n'est pas conforme à l'urgence de l'heure. Elle est pratiquement de pure forme, quoi. Bah, je suis désolé de le dire, je ne partage pas totalement le point de vue de notre ami, ou ce scepticisme, même si les fondements, les arguments avancés, ils sont réels. Le constat, du moins sur le constat de cette séparation, de ce fossé, entre, eh bien, de ce non-engouement tout de suite à cela. Vous savez, je pense que, j'ai dit, vu les fractures qui ont eu lieu, vu le passif qui a eu lieu, votre initiative est très bonne dans le sens où c'est un acte de pédagogie et c'est un début de quelque chose de nouveau où il n'est plus question de fixer des fausses divisions entre les uns et les autres, mais tout le monde œuvre pour, dans l'unité, pour se constituer une alternative parce qu'effectivement, le pays est en crise et le risque est imminent, comme vous l'avez dit. J'ai assisté à un certain nombre de conférences de Hamas, par exemple, les salles étaient pleines. Donc, il n'y a pas. Le type des intérêts est un petit peu Oui, exagéré. mais Mourad Ouchichi, remplir une salle, c'est pas un exploit en soi, hein. Je ne suis pas d'accord avec Voilà, vous. oui. Mais une chose est importante. Vous savez, le mouvement de Cuba, il rend pétrolière anesthésier une partie de la population. Ça, c'est clair. De deux, il y a un renouvellement de génération et il y a un effort énorme de pédagogie à faire pour réconcilier les jeunes Algériens, je parle de cette catégorie, avec la chose politique. Mais tout cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait des acteurs politiques. On ne peut pas, du jour au lendemain, jeter tout ce qu'il y a à 100%, remettre tout le monde dans le placard en attendant une nouvelle classe politique qui va émerger. Mais toutes ces Mourad initiatives sont Ouchichi, importantes. Mourad Ouchichi, Mourad Ouchichi, pour revenir à un parti qui, à un certain moment, a donné beaucoup d'espoir au peuple algérien, le FFS. Le FFS, à un certain moment, son leitmotiv, hein, c'était un leitmotiv de combat. C'était ni État policier, ni République intégriste. Puis, doucement, il s'est passé ce qui s'est passé, de l'eau a coulé sous le pont, les gens ne savent pas vraiment pas ce qui se passe dans ce parti, ni ce que devient son état de santé, etc. C'est la même opacité que pour le régime. Et puis il est passé d'une situation donc de leitmotiv musclé à un leitmotiv de neutralité, de ni participation ni boycott. Et maintenant, il est passé à une autre attitude qui est celle de vouloir lancer sa propre conférence, laquelle. Et là, moi, je me pose la question, j'aimerais bien qu'on me réponde. Le FFS veut lancer une conférence pour mettre autour de la même table l'opposition, quelle opposition? Et le régime, et l'État, disent-ils. Donc, qu'est-ce que vous pensez réellement de cette lente mutation du FFS qui en arrive aujourd'hui à des attitudes qu'on ne comprend pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? De façon directe. D'abord, une petite correction, mais après, je ne suscite plus d'espoir. Ça fait quelques mois ou quelques dernières années, je suscite plutôt le désespoir. Mais bon, je reviens. C'est vrai que dans les années 90 et même le début des années 2000, le FFS était le parti, le plus vieux parti d'opposition, avec l'ennemi politique, mais pas politique, mais république intégriste, c'était formidable. Sa position durant les années 90 a sauvé l'honneur de l'Algérie, de l'Algérien, la dignité de l'Algérien. Mais il y a un revirement idéologique, un revirement, un repositionnement, presque une rupture. Moi, je parle carrément d'un FFS 1, FFS 2. On l'a vu tout doucement,
mais c'est une tendance qui s'accentue ces dernières années depuis la disparition entre guillemets des crimes de l'ancien politique pour des raisons que l'on ignore, ou bien c'est l'âge ou la maladie, enfin, qu'on ignore étant donné que le parti ne communique pas sur cela. Mais il faudrait savoir que depuis ben, les événements, on l'a vu à partir des événements de 2011, je dirais certains la remontent jusqu'à 2002. Où l'UFFS a été en complet décalage avec la société. Bon, certains ne diront pas ça, mais au moins c'est très visible, il y a une sorte de consensus par rapport à cela, enfin, consensus du moins unanimité par rapport à cela, que l'UFFS a complètement abandonné ses idéaux de l'époque pour se repositionner auprès du régime. Il faut interpréter comme la population, comme la plupart de la population, vu le score électoral qui est là, la participation aux élections législatives passées était un signal très fort d'une volonté de sauver le régime, le système en place. Comme il ne peut pas être en rupture totale avec son passé, on est dans le flou total, ils sont dans le flou total. D'un côté, on veut organiser, et comme vous l'avez dit, c'est une incompréhension totale, et c'est un non-sens même politique. On veut organiser une conférence de consensus seule, avec une opposition avec laquelle on refuse de se réunir. On y va à la conférence du Zeralda, mais en même temps, on va aller chez Ouyahia. Moi, je pense qu'il y a une sorte de pauvreté. Il y a une position qui n'est pas assumée, qui est seule. Merci, merci, merci Mourad, merci. Sofiane Benagila, un dernier mot sur la même question. Que pensez-vous de cette attitude, pour le moins curieuse, du FFS? Moi, je pense vraiment, il en les Là, ce que le peuple demande, ils sont en train de rigoler, là, ils sont en train de s'amuser, c'est tout, hein. C'est pas sérieux, quoi. Du coup, ils n'arrivent pas à dépasser les dissensions. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est qu'il faut répondre à une famine imminente. Vous savez que rien que pendant le mois d'août, le pétrole a perdu l'hydrocarbure 6 dollars et on est à moins de 100 dollars. Et le FMI, on ne s'en sortira pas à moins de 10, on ne s'en sortira pas à moins de 120 dollars. Donc, on est parti dans le mur pour cette année à fond. Et voilà, quoi. C'est ça, quoi. C'est pas que le. Ça va rien changer. C'est de la mascarade, tout court, hein. D'accord. Merci Ils sont beaucoup. complètement déconnectés de la réalité du pays, quoi. C'est pas possible. Voilà, nous conclurons Pas donc possible. sur cette belle phrase, complètement déconnectée de la réalité. C'est hélas bien le cas, j'en ai bien peur. Je finirai cette émission en vous citant un commentaire que j'ai trouvé tout à l'heure sur Facebook. Le voici, je vous le cite. La justice italienne s'est occupée de Khalil. Et la justice française s'occupe de Saïd Dani. Et la justice algérienne s'occupe de Wildadda pour avoir partagé une vidéo sur Facebook mettant en cause des policiers voleurs. Signé Aouf Kamel. Merci. À demain. Salam alaikum. Azul.